À peu près comme ça. D'accord. Okay. Faut sourire déjà là. Ok. Ici, sur ta gauche, tu as un marche-pied. Oui. Bon, André Amélie, rebonjour. À quelle occasion ce saut alors? Mes 18 ans. Mes 24 ans. Ça, t'as profité du voyage. Oui, c'est ça. Ça, c'est trop fort. Bon, là, on vous a fait un briefing tout à l'heure. On vient de réviser la position de sortie avec Cyril. Donc, la position de sortie, si j'ai bien compris, c'est les mains au harnais. Hein, voilà. Enfin, vas-y. Voilà, on met derrière, on a les coudes le long du corps, la tête en arrière, on sourit, même s'il y a du soleil. Oui. Même s'il y a du soleil. Okay. Et on garde cette position tout le temps. Alors, bien sûr, on aura les jambes en arrière et maintenues pendant toute la durée du saut. Okay. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est l'atterrissage, là, parce qu'on ne l'a pas revu avec Cyril. Qu'est-ce que vous devez faire à l'atterrissage? Voilà, donc ça sera... Tu peux lâcher, parce que tu vas t'aider de tes mains. Le mieux, c'est de s'aider de ses mains. Ça, pourquoi? Parce que ça va éviter qu'on relâche ses jambes trop tôt. Il est hors de question que vous posiez les jambes avant nous. Hein, sinon, vous avez toute l'énergie du tandem, du couple tandem plus parachute à recevoir sur vos chevilles. Ça fait du poids derrière, hein. Vous avez vu comme on est gros, nous, hein. Les pauvres. Bon, ben on va aller voir où on est la plieuse, on s'équipe et puis on vous récupère en passant. D'accord. Okay. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Allez, c'est bon, tu mets les pieds au fond.
Bah, allez, on va partager des taxis de la famille. Bah, ciao.